avec Bobette. Elle est gentille, hein. Vous vivez seul? Qu'est-ce que vous venez faire dans la région? Parce que là, pour venir dans le coin, un héritage peut-être. Vous venez travailler peut-être alors? J'ai une formation d'ingénieur en stratégie et développement. Oui. Et qu'est-ce que vous venez faire avec ça dans la région? Il y a beaucoup de possibilités. Peut-être que je pourrais transformer la vallée de l'Adore en Silicon Valley. Voilà, il y a du boulot. Hein. Ou faire des confitures, peut-être. Ou élever des poules. Qu'est-ce que vous en pensez de l'élevage de poules? Bah, ce sera plus facile que de changer la vallée de l'Adore en Silicon Valley. Bon bah moi je vais pas plus loin. Hein. Alors vous verrez, je vais vous arrêter là. C'est pas compliqué, c'est au bout du chemin. D'accord. Et ma valise Eh ben elle est là, faut la prendre en sortant et c'est juste au bout là-bas. Non, vous verrez, on peut pas se tromper. Merci, vous êtes sûr que c'est là? Coucou là-bas. Jamais de réseau ici, c'est pas possible. Ah ! Oui, merci. Et toi? Je vais dans le Livradois Forez. Oh, je sais pas vraiment où c'est, mais j'ai trouvé. Non, je suis pas encore partie là. Je prends l'avion dans une heure. Ouais, je suis un peu en retard, mais je te rappellerai en arrivant. Thank you.
vous allez donc à la maison de fin. Qui a été construit en Auvergne, donc est livré en 2001. La vallée, la voie ferrée, la partie française. Donc la voile de la. Donc je connais ce qu'il y a dans le parc. Parce qu'ils ont un patrimoine, notamment un patrimoine architectural, un patrimoine naturel, un patrimoine paysager. Et nous voici donc à l'accueil de la maison du parc, qui est la maison de l'ingénierie territoriale. Où là, on peut vous rediriger vers les chargés de mission qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Mmh. Et là, Caroline Leroy, qui est chargée Bonjour. De mission. Enchantée et bienvenue dans le livre de Forez. Tourisme durable qui accompagne les porteurs de projets qui ont un intérêt pour le tourisme. Donc je crois que c'est un peu votre cas. Tout à et fait, je vais vous laisser toutes les deux approfondir le sujet. On va pouvoir discuter un petit peu autour de ce projet que j'amène. Voici le dossier du parc concernant l'accompagnement des porteurs de projets. Voilà, vous avez vu toutes les formalités administratives avec ma collègue, je vous laisse signer. Oui, c'est parfait. Nickel. Je vais vous raccompagner, on vous a préparé une petite surprise. J'espère que vous apprécierez la vie dans l'Ivoire de Forez. Oui, je me fais vraiment pas de soucis là-dessus. Au nom du parc naturel de la Livre de Forez, bienvenue, un petit panier de produits locaux, des fleurs. Ouais, merci beaucoup. Vous accueillez tout le monde comme ça? Oui, vraiment? C'est génial. Excusez-moi, mademoiselle, une question pour la web TV du Livre à Doigts Forez. Alors, d'où venez-vous? De Paris. Et pourquoi êtes-vous partie de la capitale? Il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit, j'en avais marre. Et vous connaissiez le Livre à Doigts Forez avant de venir? Pas du tout, non. C'est un territoire qui a l'air accueillant, c'est vert, on respire ici. Ça a l'air assez vivant, en fait. Et quels sont vos projets au Livre à Doigts Forez? Ça, je peux pas vraiment vous le dire. C'est un peu top secret. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Voilà. Il se prenait la caméra. Je sentais quand même que tu étais moyennement rassurée. Non, pas de rosé, moi. Je veux bien du jus. Dites donc, je vous ai déjà vu quelque part, vous. Sûr? Ah, vous n'êtes pas de la région. Non. Vous allez quand même pas me demander si je suis seule. Ouais. Non, mais par contre, vous habitez où? Je sais pas encore. Ah, vous cherchez quelque chose pour vous installer. Alors là, je connais une petite maison. Bon, c'est un peu délabré, hein, mais avec un peu de travaux, avec beaucoup de travaux même, on peut en faire quelque chose de très bien. Ah, je vous emmène, moi, si vous voulez. Je vois, pourquoi pas. Ah oui. Et en plus, aujourd'hui, vous avez de la chance. Il n'y a pas Bobette et il n'y a pas la poule dans la voiture. Vous m'aideriez à porter tout ça? Ça, oui, volontiers. Ça, par contre, je vous le laisse. Je vous prends ça, pas. Allez, c'est parti. Alors, attendez. Installez-vous. Ça, je vais le mettre... Tenez. Allez, hop. Et c'est parti.